depuis quelques années est en relation d'amitié avec Pedro Soler. J'ai découvert la tradition de la Missa Flamenca. La relation entre le flamenco et le chant hispanique religieux était plus évidente qu'avec le chant latin romain, par exemple. La musique mozarabe, alors ça c'est une tradition très ancienne qui a en partie disparu, mais qui est le chant liturgique des Espagnols et surtout de l'Andalousie, donc du sud de l'Espagne, qui a été conservé grâce à un cardinal qui au XVe siècle a fait réécrire les mélodies qui étaient en train de disparaître. Parce que le rite latin romain s'était imposé, donc le rite mozarabe hispanique commençait à disparaître. Et donc il a demandé à des grands musiciens de tout noter, tout ce qui existait encore. Et on a des manuscrits de cette musique qui datent du 15e. On en a d'autres qui datent du 11e, 12e, mais ceux-là, on ne sait pas encore les lire. Dans le flamenco, il y a aussi tout un répertoire uniquement vocal, avec des chants a cappella. Mais évidemment, la guitare est la compagne fidèle non, du chanteur. C'est vraiment une rencontre entre Kiko, Matteo et puis nous. Voilà. À la demande de Frédéric, j'ai composé donc écrit des pièces à l'intérieur de certains styles du flamenco que j'ai utilisé pour écrire des textes orientés sur la spiritualité. Et j'avais jamais proposé ça dans le cadre d'une missa flamenca.
Et là, c'était l'occasion rêvée pour moi de concrétiser ça et surtout de pouvoir, d'une part, le proposer au public et d'autre part, de pouvoir le partager avec, avec une autre culture, mais qui va dans la même direction finalement. On a vraiment gardé une structure de messe. C'est-à-dire qu'on est parti du rythme mozarabe et on reste vraiment du point de départ jusqu'à la fin dans le cadre d'une messe, donc d'une liturgie mozarabe. Par contre, vous verrez, bon, c'est vraiment un concert, donc on est assis, on est en rond. Déjà qu'on arrive à réaliser... Vraiment, le projet tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on le ressent, qu'on puisse le livrer, si je peux m'exprimer, au public. On est dans une bonne énergie et grâce certainement aussi à ce lieu qui nous a accueillis pour pouvoir préparer cette messe. Et il y a une énergie de paix, de sérénité ici qui est vraiment appréciable. On va déconnecter, on va rentrer dans l'esprit de la musique et voilà, advienne que pourra.